Good morning. Allez, Iden, les suisses aujourd'hui, le Nishma Janin, Rude, Bat Fortune, Mazal Fritnale, Achayabat Mazal Tov, Lucien, Matraina, et Claude Shalom, Shalom. Si vous souhaitez aussi glider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous ayons ma secret Gitin. Perek Dalet Mishnah Vava Mocher, Avdo le Goy, O le Chutsa la Aretz, Yatsa Ben Chorin. En Podin et Ashwin, Yoter al Kedet Meyen, Mipenetikuna Olam. Ben Mavrichin et Ashwin, Mipenetikuna Olam. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mipne Takanat HaShevuim. Ben Lokhim Sfarim Tfilin Mezuzot, Minagoim Yoter, Al Kedet Meyen, Mipne Tikun Aolam. On continue avec les Mishnayot qui parlent des différents décrets que Chachamim ont fait pour le bon fonctionnement du monde, pour ne pas aggraver des situations, ne pas salir des gens, ne pas, toutes sortes de d'accord. Donc on continue avec le premier cas de la Mishnah. Ça concerne encore les esclaves. Puis après, on a fini avec les esclaves, je crois, complètement, je ne regarde pas le chapitre. Exact, plus ou moins. Amocher avdo le goy. Celui qui vend son esclave à un goy. Oh, les chutzalaretz. Ou encore qui va le vendre en chutzalaretz. Il va le vendre à l'étranger. Il va, pour qu'il soit plus en, qu'il soit plus en, un maître juif, mais qui n'est pas d'Israël. Moi, je suis d'Israël. J'ai un esclave en Israël. Je vends mon esclave en chutzalaretz. Dans ces deux cas de figure, Yatsa ben Chorin, Chorin instauré que l'esclave est devenu libre. Plus précisément, il n'est pas tout de suite ben Chorin. Pour le moment, quand il est vendu, il appartient au maître qui l'a acheté. Mais j'ai une obligation d'aller le racheter. Et si l'esclave s'enfuit de son nouveau maître, alors il est affranchi et il pourra même se marier avec une bat Israël. Parce que depuis le contrat de vente, que quand j'ai vendu l'esclave avec le shtar, c'était, il y avait une clause là-bas, Rami Wassoré, d'écrire un shtar qui s'appelle Uno, une clause qui fait que, d'écrire une clause qui fait qu'en cas de fuite, l'esclave sera libre. Pourquoi Rami m'a instauré ça? Bien évidemment, l'esclave, il a imposé des mitzvot, comme au même niveau qu'une femme. D'accord? Les mitzvot, c'est Shello Azman Grama, il n'a pas besoin de mettre des tefilines, de mettre les tzitziot, toutes les mitzvot qui dépendent. Qui ont un temps fixe, des mitzvot ponctuelles, il n'est pas imposé. Il est quand même imposé de manger kasher, toutes sortes de lois, d'accord, qui concernent les femmes. Tous les interdits, les laves, et toutes les mitzvot qui sont constantes. Et de ce fait, si tu le vends à un goy, le goy ne va pas laisser faire ses mitzvot. Donc tu l'as déraciné des mitzvot. Idem aussi, si tu le vends en chutz la'aretz, il va perdre plusieurs mitzvot. C'est plus précisé là, pourquoi spécialement, quel est le problème de chutz la'aretz? Et je ne veux pas dire de choses inexactes. Les fiches de sommaire d'Israël, ils ont juste dit qu'ils l'ont fait sortir, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ah, d'accord, non, tout simplement, parce qu'il y a un interdit de sortir en Chutz-Laretz. A priori, un homme ne doit pas partir habiter en Chutz-Laretz. S'il habite déjà en Israël, il n'a pas le droit de redescendre. Sauf s'il y a quelques raisons, pour se marier, pour la parnassa. Mais l'esclave, il a sa parnassa ici, pourquoi toi tu le vends? Ça ne te concerne pas, vends-le à quelqu'un d'ici. Donc tu l'as fait transgresser cet interdit, on t'a imposé que tu le libères. D'accord? Ça, c'était le premier décret. Deuxième décret, maintenant, on va s'intéresser aux khatoufim, aux otages. Comment faut-il considérer les otages? Ça veut dire « En podin et ajouin yoter kededmen, mipne tikun haolam. » S'il y a un otage, un juif qui a été pris en otage, kidnappé, et que maintenant on demande une rançon, on ne rachètera pas les esclaves plus cher que leur prix. Ça veut dire on va prendre un prix d'un esclave, ça coûte combien? Ça coûte 100 000 euros pour un esclave, comme ça, de trucs. Si c'est une personne de 70 ans, que de toute façon il n'est plus tellement productif, il va coûter 20 000 euros. Et alors du coup, s'il a été pris en otage, on devra le racheter au prix que ça coûte le prix d'esclave, au maximum. Il y a même une marque dans la Gemara qui nous dit qu'on le rachète juste une seule fois et même pas deux fois. Le principe, il est très simple. C'est une grande leçon pour, malheureusement, les sujets actuels. Quel prix payer pour la libération d'otages? Parce que si tu payes trop cher, à la fin, t'es devenu une visa très facile, quoi. À chaque fois, on va kidnapper son fils, on va kidnapper sa fille, on va truc, et ainsi de suite. Chaque fois, il va donner de l'argent. Tu as besoin de 20 000 shekels par mois, tu le prends quelqu'un. Alors, c'est sûr que non, on interdit de racheter des otages plus cher que leur prix. Premier décret. Mais encore aussi, ven mavrichin et ashvuin mipne tikun olam. Il ne faut pas faire d'opération pour aller libérer de force les esclaves,
Mipnei tikkun haolam, à cause du bon fonctionnement du monde. On explique c'est quoi là, le principe, il est très simple. Imaginez qu'on a kidnappé quelqu'un, il y a des ennemis là, le village d'en face, ils sont venus, ils ont fait une descente, ils ont ramassé un enfant. Si jamais tu vas vouloir maintenant faire une opération, tu vas leur faire une entourloupe, tu vas les tromper pour pouvoir récupérer la personne, alors sur ce coup-là, comme on dit en hébreu, t'as gagné le combat, mais t'as perdu la guerre. Qu'est-ce qui va se passer? Sur ce coup-là, t'as gagné, t'es très beau, t'es très fort, t'as réussi, t'as fait un sale coup. La prochaine fois qu'ils vont venir faire une descente pour prendre des gens, pour kidnapper d'autres personnes, ils vont les prendre avec beaucoup plus de violence, ils vont les enfermer de manière beaucoup plus ferme. Après quoi tu vas faire une deuxième opération? Et bien la prochaine fois, on va être encore plus rude. Donc finalement, pour le bon fonctionnement du monde, si je peux dire le bon fonctionnement, ben, au moins que ça soit pas plus grave, au moins fais attention à les considérer les otages sans faire de sales coups. Imaginez, ils réclament une rançon. Imaginez qu'à chaque fois qu'on fait une rançon, on va faire une opération pour ensuite aller tuer tout le monde et récupérer la personne gratuitement. Alors la prochaine fois, on va être beaucoup plus violent pour les échanges, d'accord? Donc du coup, il faut pas trop forcer. Il faut être réglo, plus ou moins, avec ses mafionnaires, d'accord? Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mipnet Takanat HaShvuim. Rabban Shimon ben Gamliel dit, non, c'est pas pour le bon fonctionnement du monde, pour la prochaine fois qu'il kidnapperont quelqu'un. On ne considère pas la prochaine situation où ils kidnapperont quelqu'un d'autre. Mais par contre, Mipnet Takanat HaShvuim, pour le bien-être des autres otages, il y a en ce moment 100 personnes prises en otage à Gaza. Tu vas te mettre maintenant à faire une opération, il y a je ne parle pas des otages, je ne connais pas, je n'ai pas de considération militaire, j'ai aucune... Mais imaginez maintenant, on a le village en face, ils ont pris en otage, ils ont pris 10 enfants, et nous on va faire une opération pour en libérer 5, on va massacrer tout le monde. Beau gosse, t'as gagné, t'es très fort, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant pour les... Qu'est-ce qui va se passer pour les autres 5 autres otages? Ils vont être beaucoup plus violents avec eux, ils vont les enfermer de manière, ils vont les faire souffrir beaucoup plus fortement, donc du coup ils font considérer. Donc, je reprends, tu ne payes pas un prix exorbitant, le prix des esclaves, tu considères comme si tu vas l'acheter en esclave. Ouais, tu la joues comme si c'est pas que parce que c'est un juif et tu vas donner tout ton corps et âme pour aller sauver un juif. Il faut surtout pas parler comme ça. Il faut dire bon, t'es un esclave, viens, je te le rachète. Non, comme ça, au moins il sera peut-être pas, au moins qu'il soit esclave chez moi, tu le rachètes au prix que ça coûte un esclave. Et à part ça, t'es réglo au moment où tu fais l'échange pour aller le racheter, pour ne pas faire souffrir, soit pour une prochaine fois, soit dans un nakama, soit pour les autres esclaves qui sont en ce moment, les autres otages qui sont en ce moment d'otages. Fin du deuxième sujet. Troisième sujet, Ven Lokrim Svarim Tvilin Mzuzot Menagum Yoter Al-Kedin Mem. Imaginez que maintenant on a un goy qui nous propose d'acheter des Tvilin et des Mzuzot. On a bien compris que ce Chamor là, il est parti voler dans les synagogues, il est parti racheter des Sefer Torah et des Tvilin. On ne sait pas d'où il les a eu, on ne réussit pas à mettre la main dessus, peu importe. On a maintenant une personne qui me propose d'acheter des Tvilin et des Mzuzot. Moi qui suis un bon juif, je ne vais pas laisser le Shem Hashem dans Sefer Torah Kadosh dans les mains d'un goy. Il va me dire, tu veux, je te le vends 1 million. Je vais me prendre la tête à partir de l'acheter. À quel prix je dois racheter les Sefer Torah et les Tfilin aux autres? Alors toi, tu vas dire, ouais, mais tu as une âme de juif qui a du kavod pour l'honneur d'Hachem et le Shem Hashem qui va se retrouver chez le goy. Sinon, le goy, il va les jeter par terre et tu es prêt à payer 1 million. Tu sais ce qui va se passer quand tu vas faire ça? Ben, la prochaine fois, le goy, il va dire, oh là, quel business de folie. Ces pigeons juifs, on leur vole leur Sefer Torah et après, ils le rachètent avec des millions. Tous les 3 mois, il va partir acheter un autre, il va partir voler un autre Sefer Torah. Alors tu lui dis, écoute-moi, je te rachète le Sefer Torah parce que maintenant tu as réussi à le voler, tu as réussi à le voler. Mais un Sefer Torah, ça coûte 40 000 shekels. Tu veux 40 000 shekels, je te les paye. Mais sinon, t'as qu'à le garder. Ah, tu vas le brûler, ben t'as qu'à le brûler. Je lui parle comme ça pour au moins le dissuader. Et puis la prochaine fois, il va dire, bon, c'est pas quelque chose qui est tellement réalisable. C'est pas plus qu'un vol que de n'importe quoi. Il pourra aller voler un Sefer Torah, ou bien la prochaine fois, il ira aussi voler un ordinateur, ce sera à la limite, même il y aura plus de gens qui le rachèteront, comme ça au moins on le dissuade d'aller continuer à faire ça, cette rapine. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tuv Sera.